Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myriam. Yo! Aujourd'hui, masterclass, on va s'offrir des cadeaux pendant 24 heures, matin, midi et soir. Yes! Donc c'est très simple. Le matin, on va devoir s'offrir des colis seulement, genre colis. On n'a pas le droit d'aller au magasin, ok? L'après-midi, on ira au magasin et le soir, on se fera plaisir. La famille, on va essayer de penser à vous aussi. Let's go, les gars! Ah non, mais on va devoir dépenser de l'argent. Vas-y, j'avais oublié. J'ai une petite idée. On commence avec le petit déjeuner, les gars. Toujours le bonnet, parce que moi, personnellement, quand je me lève le matin, mes cheveux, il y a un truc qui part là, un cheveu qui part là. Mais ce qu'elle est, ma femme, je la plains plus tard. Donc, Myriam, t'as un melon pan? Non, c'est pas un melon pan, je vous explique. Là, c'est la particularité du petit déjeuner. On a un cookie aux sneakers. Est-ce que je peux au moins l'ouvrir? Vas-y. Merci, Myriam. Myriam, quand elle vient de se lever, elle aime pas trop parler. Regardez-moi ça. À l'intérieur, c'est fourré aux sneakers, les mecs. C'est une masterclass. Tiens, mon frère, pour le matin, mets-toi bien. Moi, je suis team salé le matin. Les règles pour ce 24 heures, comment ça va se passer? Alors, on va se faire des cadeaux le matin, mais par contre, ça sera par colis. Le matin, c'est par colis, vu qu'on n'a pas le temps de sortir. On va devoir chacun s'offrir un colis qui vient de la poste ou de n'importe quel autre postier. Et on s'offre un colis le matin. C'est carré ou pas? Ouais, c'est incroyable. Moi, je sais ce que je vais t'offrir. Eh, pas un truc bizarre. Moi, je vous offre des vrais trucs. Me prankez pas, s'il vous plaît. Par contre, tu respectes pas les cookies, frère. Oui, un cookie, ça se mange comme ça. Bismillah. Bon, les amis, on finit de prendre le petit déj, on découvre les premiers cadeaux. Pour ton premier cadeau, Yacine, tu peux déballer. Hey, c'est un gros colis. Hein. J'espère que ça te fera plaisir. Ça, c'est pour moi? Ouais, le premier cadeau de la vidéo, on avait dit. Non, c'était pas une PS5. Non, c'est pas une PS5. Je crois vraiment que j'allais offrir une PS5, mais t'es malade. J'en ai déjà une. Ça nous vient tout droit de la poste. Oh! On commence avec un ballon de foot. Ensuite, on a. Wesh! Regarde, un ensemble du Milan. Ouh. Encore un ensemble du Milan! La Juventus! Ouh. Wesh! Wesh! C'est quoi ça? Attends, ferme les yeux. À ton avis, c'est quoi? Des crampons. Regarde. Wow, incroyable! Crampons Adidas! Par contre, tu. Ils sont en bataille, regarde! Bon, pas! Tu m'excuseras, Yasmine, sur le site, j'ai pris les dernières tailles qui restaient. Mais ça me va pas? C'était les moins chers, désolé. Ok, bah si vous voulez qu'on les fasse gagner un abonné, mettez un like! Vu le cadeau qu'il a eu, Yasmine, j'espère vraiment, moi, je vais avoir des bonnes choses. Je sais ce que vous allez me dire. Pourquoi t'as pas offert des trucs à sa taille, les gars? J'ai été sur le site, j'ai pris le moins cher. On doit se faire des cadeaux pendant 24 heures. Faut être stratégique. Si je mets tout mon argent le matin, l'après-midi, j'offre quoi? Des roses? On n'est pas sur TikTok. Myriam, je te remets ton premier cadeau. Merci. Comme on a dit, colis, donc c'est bien respecté à la famille. Elle est en train de regarder ses meilleurs dessins animés. Déjà, il y en a plusieurs dedans. Il y a plusieurs cadeaux en un. Ça veut dire le premier cadeau, c'est une masterclass. Ok. Trop bien des nouveaux habits. Regardez, j'ai deux pulls et j'ai deux. Par contre, c'est marqué en anglais. Donc, du coup, c'est pas grave. J'ai pris des trucs en anglais. Alors, je vais essayer de dire Good Thing Out Coming. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les bonnes choses vont arriver. Il y a des bonnes choses qui vont arriver. Et là, Everything will be okay. Everything will be okay. Ça veut dire quoi à ton avis? Toute chose est bonne. Toute chose est ok. Tiens, Younes, ton premier cadeau de la journée. Let's go. T'es fragile ou pas? Non, t'inquiète. C'est quoi ça? C'est des barres. Des barres de chocolat, Yacine. Moi, je t'ai offert des crampons, des maillots, des ballons et toi, tu m'offres ça? Mais je me suis dit que vu que toi, tu kiffes le chocolat, le sucre et tout, et la bouffe en général, j'allais t'offrir un truc de bouffe, ça allait être carré. Mais Yacine, c'est une blague, wesh. T'as des crampons et toi, tu m'offres ça, frère. Vas-y. Attends, je rigole. Ton cadeau, il est là-haut. C'est bon, frère. On a le droit de faire des blagues quand même. Croyez pas, je suis un crevard. Hein. Dépêche, allez. 3, 2, 1. Tiens, tu peux découvrir. C'est bon? Ouais. Tu peux ouvrir les yeux? Ouais, tu peux ouvrir. Oh, on a une petite boîte Nike. Ça peut être quoi, à votre avis? En vrai. Pas de troll, pas de prank. Hein. Non, si c'est fermé comme ça, c'est que c'est pas un prank. Je sais. Bah non, ces boîtes-là, tu dois savoir c'est quoi normalement. Bah, ça peut être soit des habits, soit des baskets, soit des manteaux, des trucs comme ça, quoi. Il y a marqué Nike, frère. Ouh, les mecs, on a une boîte grise. Une petite boîte grise. Ok. Ouh, la dinguerie. Oh, la masterclass. Oh merci Yacine! Les nouvelles crampons de Mbappé. C'est les plus belles que j'ai eues de ma vie! Avec ça, frère. Il y a le sac? Il y a le sac? Ouais, il est tout en dessous normalement le sac. Oh là là, la masterclass, les mecs! Elle est pile poil à ma taille! Waouh, gris métallisé. Y'a pas un ballon pour les tester là? Maman! Non, je rigole. Les gars, c'est le repas du midi, tout le monde a eu son cadeau. J'ai tellement faim, je vous promets, ce matin je suis pas calé, donc du coup je vais faire une recette, mais de la flemme, et c'est ma recette préférée algérienne. Avec les restes. Regardez, j'ouvre le four, je vois quoi? Il reste ça. Mais les gars, on va faire une masterclass. Les Algériens, vous allez comprendre. On commence tout de suite. Prends la poêle. La poêle. On la prend, la poêle.
On va casser 4 œufs, comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? T'inquiète, j'ai trop faim et j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Parce que moi je suis pris. Bah t'as qu'à manger les chocobons? Non, non, pas des chocobons, moi je vois un vrai repas. C'est quoi le truc là-bas là? Non, ça là, ça. Wesh, une plume. Wesh. Ouais. On prend le reste des frites. Je vous promets, ça va faire une masterclass. On accompagne ça avec des lardons de volaille halal, garantie halal. Hop, on met tout là-dedans. Le feu tourne, on attend quelques instants et on va ajouter du fromage. Une fois que ça donne cet état, regardez, c'est beau, c'est joli. Ça, c'est l'Algérie, ça s'appelle le frit omelette, c'est une recette algérienne. Je l'ai un peu remixé, on vient ajouter des bouts de gruyère comme ça. La recette de la Hesse en 2 minutes avec les fonds du four et tester la famille. Vous allez voir, je vais tester, ça va être une masterclass. Le plat est prêt, recette en 5 minutes, frites omelette, c'est un plat qu'on mange en Algérie. Bon là, je l'ai remixé, je sais, mais en tout cas, c'est mon plat préféré d'Algérie. Pour ceux qui me demandaient, c'était comme plat préféré, bah, c'est ça les khay. Tu rajoutes un peu de ketchup comme ça et ça te donne des bonnes forces, de la frite, de l'omelette. C'est trop. Moi, pour ma part, ce sera des sushis. Mais par contre, 7,40€. Quoi, 7,40€ ça? Bah ouais. Mais vous êtes des malades. Normalement, t'as un grec, une frite, une canette. Mais non, mais même un grec, ça coûte moins cher. Mais Myriam, t'as payé ça 7,40€? Ouais, ça, c'est de la sauce salée ou sucrée? Salée. Mais c'est des malades mentales, vraiment. Grave. Hey, tu sais manger aux baguettes, toi, Krari? Bah ouais. Oh, bismillah. Ah là, tout mis dans sa bouche. Myriam, j'ai super bien mangé, là on va y aller là. Ok, Younes, je te laisse la responsabilité de me choisir un super bon cadeau. Je vais au magasin, je te prends un vrai cadeau. Ouais. Pacte conclu. On est parti pour acheter des cadeaux et regardez pourquoi j'aime pas sortir. Les bouchons les amis. Oh là 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 là. Eh, viens, on fait un truc bien. Vas-y, moi je t'écoute, moi je veux mes cadeaux. Là là là, dans le magasin on va aller. Viens, on régale Myriam, mais on régale aussi les abonnés. On achète grave des cadeaux pour les abonnés, pour Myriam. Attends, attends, attends. Je veux bien pas m'acheter de cadeaux et acheter des cadeaux aux abonnés, mais qui paye? Ah, on va régler ça dans un jeu TikTok. Vas-y, chaud. Il y a un jeu de réflexe avec Bellingham, on a 3 chances chacun. Celui qui fait le meilleur score, l'autre il paye. Attention. Ok, j'attends un peu. Maintenant. T'es trop nul, mec. Oh, 73. Regardez bien, 73. 73 pour toi. 2, 1, maintenant. C'est parfait, j'ai fait combien? 100%. Yacine, j'ai fait 100. Mais lui, il est trop fort dans les jeux TikTok, c'est incroyable. Tiens, j'ai même pas besoin de deuxième essai. 100% aussi. 100%. Non, t'as pris mon essai. Non, non, regarde, 100% aussi, frère. Mais t'as pris mon essai. Non, bah non, j'ai... Pierre, feuille, ciseaux. Oh. J'avais pas ramené mon portefeuille, donc dans tous les cas, c'est toi qui aurais payé. Pff, allez, on y va. Younes va commencer par régaler Myriam, mais après, on verra les abonnés parce que c'est toujours la petite sœur en premier. Moi, je te propose, il y a Max ciseaux. Viens, on va lui prendre un chat. Un chat? Un chat. Maman, elle a dit non. Mais viens, on va regarder, juste regarder. Ça te dirait pas un petit chat? Regarde comment il te regarde là. Mais moi, je veux bien un chat, mais maman, elle a dit non. Je vais te faire virer de la maison. Mais on regarde. Une simple question à te poser. Il y a des lapins. Est-ce que tu aimerais bien qu'on t'enferme en cage comme ça toute la journée? Non. Donc pourquoi eux, vous les enfermez en cage, les lapins? Pourquoi vous faites ça, vous? Pourquoi tu dis vous, c'est pas moi? Si, c'est... Peut-être qu'ils ont une belle vie. Imagine, on te met dans une maison, t'as la PlayStation 5, t'as un ordinateur de malade, t'as que des McDo, des Grecs, des pizzas et tout à manger. Et t'as pas de responsabilité, tu dois pas aller à l'école ni travailler, tu vas être content peut-être. C'est vrai. Bah les gars, je vous laisse votre dégustation, ça l'aime. Y'a pas de chat, on y va? Allez, on y va. On vient de trouver un truc de ouf avec qui vous venez se regarder. Ça, c'est une peluche. Et quand tu l'as. Genre quand tu l'ouvres, ça fait un sweat à capuche. Une peluche? Ah oui, c'est un. Bah viens, prends-lui ça, regardez comment c'est. On lui prend le... Alors il y a soit le vert, soit le rose, soit le panda. Prends-lui le panda, c'est mieux le panda. Ok. On sort avec les cadeaux, la famille. Je me suis pas ruiné parce qu'il y a encore les abonnés à les régaler. On va aller dans un magasin, il y a des casques, il y a des plays, tout ça. Donc j'ai gardé un peu d'argent pour après les rails. Et Myriam, peut-être je vous rajouterai des cadeaux. On arrive au magasin, je vais essayer de prendre plusieurs petits cadeaux au lieu de prendre un cadeau pour régaler un maximum de personnes. Donc on va commencer par une souris gamer. Il y en a plein, ils jouent à Fortnite, tout ça. On va se prendre une petite souris. En vrai, quel casque on va se prendre? Le vert, il a l'air stylé, le vert. On va prendre des jeux de Play 5. Est-ce qu'ils ont la Play 4 ou la Play 5, toi, tu penses? Je sais pas, les deux, je pense. Les deux? Ok, on va regarder, il y a quoi comme jeu? Ça, c'est un jeu de chant. Ça a rien de prendre ça. On va pas prendre ça. C'est que des jeux de chansons? Oh non. On va rajouter aussi le clavier. Comme ça, il y aura un bon setup. Ah ouais, une manette aussi. Parce que je sais, il y en a, ils aiment pas jouer clavier souris. Moi, je déteste clavier souris. Je préfère les manettes. Pourquoi pas leur prendre une trottinette électrique? C'est grave marrant, ça. T'as dit quoi? Pourquoi pas prendre une trottinette électrique? Non, je préfère pas. Parce qu'en mode, je vais vous prendre une trottinette. Parce que t'as perdu au père feuille ciseaux, c'est pour ça? Non, parce que vous allez faire n'importe quoi sur la route. Après, vos parents, ils vont m'appeler. Ils vont dire, Younes, à cause de ta trottinette, mon fils, il est à l'hôpital. Donc moi, je prends pas de trottinette. Vous savez pas conduire, c'est pas la peine. On prend leur des cartes PSN. On va rajouter. Par contre, on va prendre une carte de 20 balles. 20 balles PSN. Là, en vrai, il y a des bons cadeaux. En vrai, il y a des bons cadeaux là. Ouais, ça va, ça va. Le coffre est rempli de cadeaux. J'ai dépensé plus de 100€ en 5 minutes, frère. C'est une dinguerie. Et vous allez me dire, comment on fait pour les gagner? Il faut suivre l'Insta de Yacine. On va faire des vidéos. Suivez l'Insta de Yacine et c'est pendant les vacances. Donc voilà comment participer. On rentre à la maison. On va régaler Myriam. Ça va être incroyable. Mission accomplie, Myriam. Les voilà. Cadeaux, c'est emballé? Non, c'est pas emballé. Mais dis-toi que c'est moi qui ai tout payé. Ok, déjà, vous pouvez avoir une idée. Ouais.
Yacine, il a rien payé. Il y a combien de cadeaux dedans? Il y en a 3. Un petit anti-stress. Je vais t'éclater à ce jeu. Un puissance 4. Incroyable. Et le dernier cadeau? C'est un pull avec une capuche panda pour la maison. C'est une dinguerie. Ah ouais. Il est pas trop stylé. Il est pas trop stylé. Si. C'est une dinguerie, on dirait un petit mouton. Ce que j'en pense des cadeaux, c'est qu'ils sont super incroyables. Surtout le puissance 4 et ce pyjama. Du coup, c'est validé. Mission réussie. Ouais. On n'a même pas besoin d'aller au fast-food dans cette vidéo. Regardez ce que ma mère a fait aujourd'hui. Il y a des pizzas, des feuilletés au fromage, des tacos et des tiramisu. Surtout qu'après ce repas-là, on va avoir les derniers cadeaux. Donc, c'est les derniers cadeaux de la journée. Franchement, ça se passe super bien pour l'instant. Et en vrai, les frères, je vous promets que je suis capable de tout manger. Là, vous voyez ça? Si je tape une cuillère, je... Quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Dis-moi, tu veux quoi? Manger le tiramisu? Oui, je suis capable. Mais toi, tu veux quoi? Tu veux graille quoi là dans ça? Tacos, pizza, tu veux quoi? Je sais pas, comme tu veux. Comme je veux, t'es sûr? Ok, je veux te donner ça. Tiens. Merci. Et moi, je prends ça. Okay. Younes nous a mis trop bien Myriam. En incroyable, vrai de vrai. Ouais. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de lui faire un de ses cadeaux, un cadeau de zinzin. Vous c'est êtes pas prêts. En fait. Vous voyez ça là? Vous êtes pas prêts, c'est un truc de ouf. C'est nous deux, c'est pas de lui. Younes! Ah, vous êtes là. Et hey, où le câble? Le câble du PC, où le câble? C'est l'heure du cadeau, c'est l'heure du cadeau. Un bon cadeau, pas de troll, pas de troll. Allez, elle te le ramène. Il est lourd. Il est lourd dans les deux sens. Oh, un carton dans un carton dans un carton. Yacine, t'inquiète, non, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Regarde, en plus, ton numéro, c'est quoi ton numéro au foot? Remplaçant. Non, vraiment, c'est quoi ton vrai numéro au foot? 9. Et ben regarde derrière la boîte, il y a marqué quoi? 9. C'est tout simplement un MacBook Pro. J'espère, Yacine, regarde, tu vois cette boîte? Tu vois, j'espère qu'il y a vraiment un MacBook dedans, sinon... C'est pas un prank. Et voilà le MacBook Pro qui est juste ici. Il est noir, il est noir. Oh, merci Yacine. Et moi. Oh, vous êes des bons. Non, t'inquiète, pas besoin, merci, t'inquiète. Yacine. Pas besoin. D'accord. La famille, mettez un like, hein. Ils rigolent pas sur les cadeaux. En plus de ça, c'est le truc pour la souris. Je te le donne si tu veux des pommes. Tu veux des pommes? Ouais. Mettez un like, la famille, on rigole pas sur les cadeaux, c'est incroyable. Il s'allume vraiment. Maintenant, il y a le cadeau. Non, attends, vraiment, là, la famille, vraiment. Mettez un maximum de likes pour Yacine et Myriam. Il s'allume vraiment. C'est pas du tout. Merci beaucoup. Merci. Barakallahu fikoum. Hello. Il m'a dit hello. Salam alaikum. Et mon cadeau? Ah oui, excuse. Ouais, mais c'est moi qui ouvre ton cadeau. Est-ce que je peux lui donner un prénom? Ouais, tu peux l'appeler. Elle s'appelle déjà, regarde, marqué. Ah oui. Zulkhiba. Ça peut être quoi? J'ai mis beaucoup de temps à le faire quand même. Ouais. Par contre, je me sens un peu mal de. Ouais. Ah, merci, super. Super, c'est quoi, c'est une manette? Non mais je te jure, tu vas kiffer. Ouais, je te promets que tu vas kiffer. Tu sais quoi? Avec ton portable, tu peux jouer à la Play partout, Yacine. En fait, c'est incroyable. On peut jouer à tous les jeux sur le téléphone. T'as vu, maintenant, tu vas à la poste, tu vas à la boulangerie. T'attends dans la voiture, tu peux jouer à la Play partout. Mais c'est trop bien. T'as vu comment c'est trop stylé? Tous ceux qui me disent, ouais, j'ai pas d'argent pour acheter une Play et tout, ça coûte 7€, frère. Et vous avez tous vous avez tous 7€ et vous avez tous un téléphone et une manette, frère. Vous mettez ça et vous pouvez jouer normal. Alors, t'es content de ton cadeau? Non, franchement, trop bien, incroyable. Les gars, pour une fois, je suis trop bien, je vais offrir un cadeau à 7€. 7€, mais j'avoue, le cadeau, il est extraordinaire. Et m'a offert un PC, je suis trop bien, les frères. Mais vas-y, j'ai 49 minutes avant d'utiliser l'ordinateur, c'est trop. Mais en tout cas, c'est pas grave. Je vais patienter. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, j'ai kiffé cette journée. Attends, Younes, j'ai pas eu mon dernier cadeau. Mettez un like, abonnez-vous les frères. Attends, me coupe pas, j'ai pas eu mon dernier cadeau. Attends, bah, bon,